Alors, quelques mots sur ce que j'ai appelé ici les théories du droit naturel. Cette notion de droit naturel, je vous en ai parlé déjà tout à fait au début, mais disons qu'elle est très ancienne, mais elle a beaucoup changé. Pour Aristote, le droit naturel, c'est au fond les règles que l'on peut inférer de façon inductive, si vous voulez, comme l'observateur. Voilà, on regarde comment marche le cosmos, on en tire des règles, donc inégalitaires, tout ce que vous voulez, et on essaye de le reproduire au niveau de la cité. Donc, des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'ils sont inhérents à la nature humaine. Vous êtes un homme, donc forcément, vous avez ces droits, et ces droits sont donc éternels, en quelque sorte, puisque la nature humaine est une et éternelle, et ils sont éternels, personne ne peut légitimement vous les retirer. Et on n'a pas besoin, droit naturel, droit positif, ils existent même si ils ne sont pas reconnus par le droit positif. Et ça, c'était typiquement la conception de la Révolution française. Et puis, conception du droit naturel liée à l'homme, à l'homme également. Pourquoi? Parce que, et là, je ne m'absentis pas, je ne cite pas les auteurs, etc., parce que le droit naturel va être, même chez les penseurs qui sont encore forcément catholiques à l'époque, ce n'est pas possible autrement pendant tout le 16e, 17e siècle, laïcisation de cette notion de droit naturel, parce qu'au fond, et je prends ici une formule de Grotius, le droit naturel, ce sont les principes de la droite raison qui nous font connaître qu'une action est moralement honnête ou déshonnête, etc., etc., parce que nous le savons en vertu de notre raison. Alors la raison, bien sûr, c'est Dieu qui nous l'a mise, donc c'est quand même lié à Dieu. Nous sommes des créatures raisonnables parce que nous sommes des créatures créées par Dieu, mais c'est notre raison qui nous fait savoir ce qui est bon ou mauvais et qui nous fait savoir ce que doit être le droit naturel. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit là comment, quelques siècles, deux siècles après, la Révolution va pouvoir embrayer. Alors, un tout petit mot encore sur les théories du contrat social. La plus connue pour nous, bien sûr, c'est Rousseau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le XVIIe siècle, avec Hobbes, par exemple, qui a mauvaise réputation, parce que Hobbes, c'est le Léviathan, etc., etc., il y a eu Hobbes, il y a eu Locke en Angleterre, et puis même d'ailleurs Grotius, que je citais tout à l'heure, dont je vous fais grâce, et puis chez nous, Rousseau. Alors, toutes ces conceptions du droit naturel, du contrat social, je n'ai pas le temps d'y attarder, sont différentes, mais toutes essayent de résoudre cette question centrale. Si l'individu devient premier, si la société ne préexiste pas, en tout cas en termes de à la fois, comment dirais-je, logique, aux individus, comment penser la coopération entre les hommes sans que les droits individuels soient sacrifiés aux contraintes de la vie en société. C'est ça le problème. Comment faire en sorte que ces hommes, en entrant en société, donc toute cette théorie auquel ils ne croient pas, hein, enfin, je veux dire, c'est une reconstruction, je ne pense pas que les auteurs du contrat social pensent vraiment. Enfin, ils font le postulat d'un état de nature, si vous voulez, mais parce que ça leur permet de faire un raisonnement à partir de là. Je ne pense pas que même Rousseau ait pensé qu'à une époque, les gens... donc, il y a un état de nature où les hommes sont libres, etc. Mais en même temps, les plus forts peuvent l'emporter sur les plus faibles parce que la nature n'est pas égale. Et donc, finalement, entrer en société, ça va leur permettre... Alors, notamment chez Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut entrer dans la société, mais comme l'homme est un loup pour l'homme, du coup, en entrant en société, on est prêt à sacrifier beaucoup de sa liberté pour avoir la sécurité. Vous voyez, ce sont déjà des problématiques finalement très actuelles. Pour Locke, au contraire, qui a une vision beaucoup plus positive et beaucoup moins catastrophique de l'état de nature, il insiste beaucoup plus. Conscience qu'en disant ça, je vais un petit peu vite, mais je ne voudrais pas m'attarder trop sur cette question.
un tout petit mot sur la philosophie des Lumières. Curieusement, chez Montesquieu ou chez Voltaire, on ne trouve pas de l'expression « les droits de l'homme ». Mais en même temps, chez Montesquieu, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver au niveau de la, dans la Révolution française, et notamment l'importance des lois et l'importance, bien sûr, de la séparation des pouvoirs. Quant à Voltaire, c'est bien sûr la liberté de la pensée qui le caractérise, et aussi la lutte pour défendre un certain nombre de droits concrets. Alors, la proclamation des droits de l'homme. Alors, la proclamation, pour nous, c'est 1789. En fait, il y a beaucoup de textes dans l'histoire qui ont proclamé les droits de l'homme. Enfin, les droits de l'homme, les libertés des droits de l'homme. Et bien sûr, on pense immédiatement, disons que quand on expose les droits de l'homme, bien sûr, on est obligé d'expliquer qu'il y a eu les pactes anglais. Et la Magna Carta, la Grande Charte, c'est Jean sans Terre. Donc, ça remonte évidemment à il y a très longtemps. Et ensuite, il y a eu toute une série d'autres textes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a renversé, en gros, à chaque fois qu'on a renversé un souverain, un roi en Angleterre, le suivant lui a dit vous allez signer ça, hein, parce que. Alors, mais. Et du coup, dans ces textes sont, par exemple, la Grande Charte, elle a été rédigée par des barons anglais en révolte contre leur roi et proclamée par Jean sans Terre. Mais, donc, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Un nouveau roi, on lui fait signer un texte. Voilà. Et c'est intéressant, mais en même temps, et dedans, on trouve l'énoncé de toute une série de droits, le consentement à l'impôt, le fameux habeas corpus, qui pour nous est devenu le truc extraordinaire, contre les arrestations arbitraires, etc. Mais les grandes différences entre ces textes et ce que sera plus tard les déclarations américaines et surtout la déclaration de 89, c'est que d'abord elles sont extrêmement situées, elles n'ont aucune prétention à l'universalité, hein, c'est nos droits ici à nous qu'on veut défendre et vous allez s'il vous plaît les respecter. Et puis ça n'a rien à voir avec une dimension ni universelle ni égalitaire. Ce sont des privilèges que l'on veut voir respectés par le roi, le privilège de l'Église d'Angleterre, de la cité de Londres, des marchands, des dignitaires féodaux. Et au fond, la Magna Carta, ce n'est jamais que la révolte des féodaux contre le roi. Alors plus tard, ça va un tout petit peu changer, mais c'est toujours la bourgeoisie qui veut défendre ses prérogatives. Et vous savez bien que la démocratie en Angleterre, elle s'est installée de façon complètement infinitésimale. C'est-à-dire, petit à petit, on a ouvert le scrutin à des catégories de plus en plus importantes. Alors, cela étant, c'est vrai que Voltaire et Montesquieu, par exemple, retiendront de cette expérience l'importance des règles écrites pour assurer la sécurité juridique. Alors un petit mot sur les déclarations américaines. Au moment de l'indépendance, ou enfin même juste avant l'indépendance, vous avez plusieurs États, puisqu'il n'y avait pas encore les États-Unis, il n'y avait que des États, qui ont proclamé, écrit des textes. Et notamment la plus célèbre, la plus importante, c'est en 1776, la déclaration des droits de l'État de Virginie qui servira pour la déclaration d'indépendance quelques temps plus tard et qui va influencer les constituants français de 1789. Alors, je ne peux pas vous la lire entièrement, bien entendu. Déclaration des droits qui doivent nous appartenir à nous et à notre postérité
et qui doivent être regardées comme le fondement et la base du gouvernement. Que tous les hommes sont nés également libres et indépendants, qu'ils ont certains droits inhérents. C'est amusant parce que c'est exactement la retranscription de toutes ces idées dont je vous parlais il y a un instant, qu'ils ont certains droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsqu'ils entrent dans l'état de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité. C'est très intéressant. À savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, les moyens d'acquérir et de posséder des biens, de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté, que tout pouvoir est dévolu au peuple et par conséquent émane de lui, que les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent être séparés, que les élections doivent être libres, et ensuite procédure pénale, etc. etc. Et la liberté de conscience. C'est très intéressant. Et on le retrouve un petit peu dans la déclaration d'indépendance. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, etc. En revanche, dans la Constitution américaine, la Constitution des États-Unis, Constitution fédérale de 1787, il n'y a pas de déclaration. Et vous le savez peut-être, ce sont des amendements, les 10 premiers amendements, et qui seront ensuite complétés, qui servent en fait de déclaration des droits pour les États-Unis.